C'est un duo de charme qui vient d'effectuer ses débuts sur le marché marocain. Fort d'une liste d'arguments longue, comme un mois d'août sans plage, le SUV compact Audi Q3, deuxième du nom, et son spin-off inédit, le SUV coupé Q3 Sportback, ont été accueillis en grande pompe au sein du terminal Audi de Casablanca. Le maître des lieux, Jérôme Berthaud, nous a fait les présentations. Je suis heureux de vous présenter ce soir le nouveau Q3. Donc le nouveau Q3 se caractérise par plus d'espace, plus de technologie et beaucoup plus de design et d'émotion. Donc tout d'abord, au niveau du design, vous pouvez le voir, le Q3 est beaucoup plus musclé, racé, avec une calandre single frame octogonale très marquée, avec une ligne tornado sur le côté très fine et dynamique, qui vraiment vous plonge dans l'émotion. Au niveau de la technologie, donc le Q3 Sportback a par exemple maintenant le Digital Cockpit, c'est-à-dire toute votre planche de bord derrière le volant qui est complètement virtualisée. Donc c'est une vraie évolution technologique. Et cette technologie numérique maintenant envahit tout le Q3, avec également la planche centrale qui vous offre l'Apple CarPlay, l'Android Auto pour avoir les applications de votre téléphone dans votre véhicule. Le Q3 est disponible en 4 niveaux de finition, Premium, Advanced, Design et S-Line. C'est une de plus que le Q3 Sportback qui fait l'impasse sur la finition d'entrée de gamme, finition qui embarque un arsenal technologique assez convaincant, régulateur de vitesse, système d'aide au freinage d'urgence, assistance de stationnement avant et arrière, caméra de recul, MMI Radio Plus ou encore interface Bluetooth. En revanche, à l'inverse de la dernière A6, du Q7 et du Q8, pas de cartographie Maroc au menu, même sur la finition la plus huppée, qui dispose pourtant du NEC plus ultra, des équipements de confort et de sécurité. Feu Matrix LED avec clignotant dynamique à l'avant et à l'arrière, caméra 360 degrés, système audio Bang & Olufsen, etc. En plus d'une finition intérieure proverbiale, ce qui, venant d'Audi, n'a absolument rien d'une surprise, les deux Q3 offrent une habitabilité généreuse et une praticité de bon aloi, ainsi que le fait noter le management d'Audi Maroc. Au niveau de l'espace et du confort, le nouveau Q3 fait 10 cm de plus que l'ancien. Donc c'est un véritable SUV compact familial, vous pouvez mettre 2 valises, 3 enfants en même temps. On a même des rails sur les sièges arrière qui permet de les avancer, de les baisser pour agrandir encore la taille du coffre. Au rayon mécanique, le Q3 et le Q3 Sportback font appel à la même et unique motorisation. Il s'agit d'un 4 cylindres diesel TDI de 2 litres développant 150 chevaux et 340 Nm, un bloc qui devrait constituer un tandem aussi efficient que tonique avec la transmission robotisée à double embrayage à 7 rapports S-Tronic. À confirmer lors de l'essai du Q3, prochainement au programme sur notre site et notre chaîne YouTube. La grille tarifaire du Q3 débute à 404 000 dirhams et culmine à 524 000 dirhams. Plus exclusif, le Q3 Sportback s'affiche pour sa part à partir de 479 000 dirhams et grimpe à 590 000 dirhams dans sa finition la plus huppée. Sur une année pleine, Audi compte écouler 300 exemplaires de son SUV compact dans ses 2 déclinaisons de carrosserie. À très vite sur wandelou.com.